C'est Washington. Un des 49, 45 présidents des États-Unis. Je ne sais plus à combien on en est là. On va traverser le parc. Partie du parc. Là, il y avait quelques panneaux explicatifs de quelque chose. J'ai cru comprendre, mais ça, je vais à force de le répéter, je vais le faire quand même. L'information complémentaire sera écrite en bas de l'écran. Je crois que Philadelphie fut la première capitale des États-Unis. Encore une dalle. Ce qui fait son... Pourquoi il y a beaucoup... Voilà, le Washington Square. Ah, ça c'est moi, ça, en nombre. Washington Square. Voilà pourquoi il y a beaucoup de monuments historiques ici et de choses historiques. C'est parce que je crois, hein, que ce fut la première capitale des États-Unis. Et c'est pour ça qu'ici se trouve la cloche de la liberté, ainsi que les papiers de l'indépendance, etc., etc., etc. On doit y être pas loin de la cloche là. Voilà la sortie du square Washington. Un autre square avec là les monuments Indépendance Hall. Les monuments de l'indépendance. Et la cloche se trouve, elle, derrière. D'après mon plan. Alors voilà tous les bâtiments Indépendance Hall. Avec monsieur Barry. C'est ce qui fait. Monsieur Barry, comme des éléphants. C'est pas drôle, ça vaut pas de point. Alors, normalement, la cloche est visible gratuitement. Le City Hall est payant. Là, il y a des barrières. Je pense que c'est les gens qui sont rentrés dans le City Hall qui ont un accès ici. Donc, il y a des gardiens partout, déjà. Donc, je vais contourner. Là, je vais faire un tour par là-bas. Contourner, aller voir la cloche. Et suivre ma petite balade dans Philadelphie. Contourner par là pour commencer. C'est Barry, la suite de la route. Route pavée ici. Et à Oak Park. Ah oui, rue pavée. À côté de cette rue pavée, cette bâtisse, quand j'avais vu là-bas sans explication, je sais ce que c'est maintenant, c'est une librairie. Une bibliothèque. Là, on a un grand temple. Là, au fond, une autre belle maison. Banque des États-Unis. Si le panneau qui est à côté de moi est exact. On va se rapprocher, il y a une plaque. Seconde banque des États-Unis. C'est fermé, bien sûr. Ça doit être un musée aujourd'hui. Alors, chose qui est très très bien dans certains endroits, comme c'est le cas à Philadelphie depuis que je suis arrivé, c'est qu'il y a des plans. Le Washington Square, où c'est qu'on était tout de suite. Le Independence Square avec tout ce qui est fermé. On est là, donc à côté de la librairie et de Portrait Gallery, une seconde banque United, c'est ça. Voilà, et là c'est la première banque, elle est au bout. Voilà, la première banque est là derrière là, ça c'est la seconde banque. Il y a la banque, un autre petit parc. La Liberty, elle est là, dans le parc de côté. Il faut commencer la musique, c'est là, pour ceux qui payent l'entrée. Voilà. Et bon, on a tout. Et ben là, je suis sur Magnolia Garden. Et Magnolia Garden, il y a un monsieur aussi, en statue. Il s'agit de monsieur Robert Morris, financier de la Révolution. À ne pas comprendre avec Philippe Morris. Philippe fait des cigarettes. La seconde banque, la bibliothèque, le palais, les maisons de l'indépendance, on va dire ça comme ça en français. Et là-bas, la première banque.